Bonjour monsieur. Oh l'enculé! Oh la salope! Oh la salope! Ouais, bah ouais, je sais, ouais, je le vois, ouais. Ouais, il m'a laté le cul cet enfoiré, ouais. Putain, bah c'est normal qu'il ait des lags le serveur, il y a 30 personnes qui essaient de se connecter en même temps. Putain d'enculé, quoi. Ah, il m'a littéralement laté le cul, quoi. Mais genre bien, puis c'est pas le gars, il s'arrête. Ah, mais il m'a littéralement broyé la gueule, quoi. Alors là, mon gars, tu vas charger. Bouge plus. Arrête-toi. Bon, là, on va passer en mode... Merde, j'ai raté. On va passer en mode tendu, là, ça y est. Là, vous avez vu le mec gentil, il y a un mec méchant, là. Là, le mec, il m'a pas respecté, quoi. Il m'a carrément pas respecté. Putain de merde. Et voilà, vous voyez ce que c'est la vie d'un fondateur? Se faire écraser la gueule, quoi. Zéro respect, rien. Putain, mon gars, tu vas t'arrêter, hein. Merde. Ouais, mais moi aussi, si je le suis pas, je vais pas être du tout. En général, c'est conseillé, tu vois. Oh, mais non, je te jure, aucun respect, voilà. Vous voyez, les gens pensent, ouais, t'es fondateur, tu te fais respecter tout le monde. Ouais, que dalle, mon gars, regarde lui. Lui, il respecte à rien, lui. Tu vas t'arrêter, mec. Degré ou de force, tu vas t'arrêter, mon gars. Il m'a re-écrasé la gueule. Alors lui, je peux vous dire que lui, les gars, lui, je vais le mettre dans le mal, lui. Lui, je vais vraiment le mettre dans le mal, lui. Lui, ça va lui faire bizarre, lui. Mais non, c'est lui qui m'a écrasé, là. Je descends du véhicule, il me re-écrase, t'enfoiré, là. Alors là, putain, mon gars. Oh, là, c'est moi, là. Eh, je me fais dresser par un couette quand même, quoi. Putain, j'y crois pas. Je me fais dresser par un putain de fucking couette. Non, mais attends, mais c'est quoi cette histoire là? Le mec va dire, mais non, mais je comprends. Merde. Mais non, mais je comprends pas, monsieur. Je vous ai écrasé deux fois, mais comment vous êtes là? Il est où cet enfoiré de merde? Il est là. Regarde ça! Puis sa mère de patte, tu sais. Il va carrément aller chercher une arme pour m'enculer derrière en plus. Merde. Monsieur! Bon, alors là, rien à foutre. Merde, putain, j'avance tout seul. Quoi? Monsieur, bonjour! Comment ça? Vous allez m'accompagner, monsieur, ça va pas du tout là. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mais ça va pas dans votre tête, y'a un souci ou quoi là? Pourquoi? Non mais monsieur, vous m'avez écrasé deux fois! Ah bon? Oui monsieur! Deux fois! Mmh. Vous voyez mes jambes là? Mmh. J'ai les jambes et le cul pété, j'ai la gueule en vrac! Monsieur, ça va pas aller là, ça! Je vais vous mettre dans le mal, monsieur! Je vais vous mettre dans le mal, monsieur là! J'ai rien fait! Vous avez rien fait! Vous m'avez écrasé deux fois! Deux fois, je vous ai demandé de vous arrêter. C'était vous là qui était sur le pont là? Oui, c'était moi sur le pont, oui. Mais vous bugez à mort, hein. Je vais y arriver. Monsieur, quand un membre des forces de l'ordre vous demande de vous arrêter, vous arrêtez. Monsieur, je vous le dis. J'avais même pas entendu. Je vais vous mettre dans le mal. Vous allez morfler, monsieur. Vous n'avez pas entendu, alors. Je veux pas savoir, vous allez morfler. Je vais vraiment vous mettre dans le mal, monsieur. Vous et moi, on va s'expliquer dans un petit coin. Dans un petit coin sans témoin. C'est ça, vas-y, c'est moi. On va se fêter en plus, le mec.
Vous êtes même pas un flic. En plus on est en zone safe. Ah putain, il me fait du noir pied en plus, la totale. Alors monsieur, déjà pour commencer, non je ne suis pas policier, je suis membre des forces armées monsieur. Ben voilà. Et ben voilà, vous savez ce qui se passe quand on fait un tel manque de respect à un membre des forces armées et qu'il n'y a pas de témoins autour, vous savez ce qui se passe monsieur? Non. Il se passe que je vais vous mettre dans le mal, je vais vous latter la gueule, je vais vous foutre la gueule en vrac. Mais on est en zone safe, non? Je ne connais pas ce mot, monsieur, zone vous safe. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Là, la seule personne qui va avoir des problèmes, c'est vous, en l'occurrence. Non. Normalement, non. En plus, j'ai pas... Enfin, vous vous taisez. Excusez-moi. C'est moi qui parle. Vous voyez? Quand je vous dis que je vais vous mettre dans le mal. Et alors, même votre mère, en repartant d'ici, elle va pas vous reconnaître. On m'appelle Picasso. Je vais vous refaire la façade. Vous avez compris? Tu te tais! C'est papa qui parle! C'est pas vous, mon père. Tu te tais! Je vais te mettre dans le mal, mon gars! Je vais te mettre dans le mal! Je vais te latter la carapace! Je vais te défoncer le cul! Une situation, s'il vous plaît. Tu te tais! Est-ce que vous aimez la musique? Tu te tais! Oh, il va se plaindre, les gars. Musique. Tu te tais! Oh, mais j'ai compris, c'est bon. Donc, tu vas payer. Tu vas payer ça. Ça va te coûter très cher, mon gars. Parce que je suis triste, du coup je fais un morceau triste. Ok. Excusez-moi. Le mec met une vidéo. Mais on est dans un autre monde, les gars. On vit dans un autre monde. Je suis en train de foutre des coups de tatane à un mec. Hein, il est en train de me passer un morceau de musique. Non, mais je sais pas comment dire. Ah, putain de merde. Yo, Liberto. Ouais. Ah, il faut chanter en plus, hein. Si tu veux t'en sortir vivant, il faut que tu chantes. Non mais c'est quoi? Non mais c'est quoi? Vous avez raison. Je vais le mettre en deuil. Là, je vais le mettre en deuil. Allez les gars, faites-moi le décompte là sur le chat du live. On fait 10, 9, 8, vous me faites le décompte. Dès qu'on arrive à 0, on l'achève, on va voir comment il va chanter sous l'eau. Ok, j'ai vu un 7. J'ai vu un 6. J'ai vu un 5. J'ai vu un 4. J'ai vu un 3. J'ai vu un 2. J'ai vu un 1. J'ai pas vu le 0, les gars, encore là. J'ai pas vu le 0. Vous pleurez par grâce à mon numéro de piano. Hey, 0. Stoppez l'escorte. Il a pas coulé? La blague. Il a pas coulé, ce con. Il a juste la tête qui sort de l'eau.
Non mais c'est chier ça quoi, putain, merde.